place à voix de la mairie presse information nationale internationale yo mais n'a commencé dans ça qui gain à ouais avec dossier qui a dominé actualité à sous plan international ensemble avec Jean-Robert Philippe. Donc on va dominer actualité à une tremblement de terre 4.8 frappé plusieurs états sous côte nord des États-Unis tant qu'au New York, New Jersey et l'État Maryland. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu évoqué deux membres de l'armée PIA dans le moment où l'embauche l'ouvre avec l'administration Biden après la mort de 7 travailleurs d'une organisation charité. Et bien en Haïti, le conseil présidentiel là toujours dans une impasse dans le moment pour n'y aucun signe qui montrait acteur acteurs ont une entente politique pour être capable de prêter seulement et puis installer. Une autre fois encore, on salue tout le monde et nous disons bon week-end et merci parce que vous avez passé toute semaine avec nous et on continue à faire ça encore. Nouvelle lutte dominée surtout avec Thomas de Tessa qui frappe côte nord-est États-Unis, Bonnet, Jodia, Val-de-Saint-Louis, depuis Ville New York. Jeudi à vendredi 5 avril 2024 à 10h23 matin, la terre a été tremblée et c'était un tremblement de terre qui était souqué zone métropolitaine Ville New York là qui gagne en pile monde qui vivent là-dedans dans région ça côté que moun yo pas habitué senti terre déplacée. Selon sa service géologique américain a été rapporté tremblement de terre te gagne une magnitude préliminaire de 4.8 et épicentre situé tout près une municipalité qui est Lebanon qui situé dans district Huntington dans état New Jersey ici aux États-Unis à peu près 45 000 dans l'ouest ville New York là et 50 000 dans North Philadelphie. Et d'après service géologique américain, le tremblement de terre est capable de ressentir par plus passer 42 millions de monde. Pas gain aucun gros dommage qui était rapporté, même si le gouverneur New York, Kathy Hochul, a averti la population sous possibilité pour gagner l'autre secousse qui a retourné dans une conférence pour la presse que le bail. So I immediately directed my emergency management team the second we received word of this to start doing damage assessments. Moi immédiatement dirigé équipe gestion urgence moyen à la minute que nous te recevons information. Tout de suite, nous commençons à faire évaluation pour nous voir si pas gain aucun dommage et si la vie monde pas en danger. Moi immédiatement te parler tout à gouverneur Phil Murphy pour offrir assistance et puis chercher connaître ça qui a passé dans l'état New Jersey. Ça c'est un des plus gros tremblements de terre qui passé sous côte l'Est là depuis dernier siècle là. Bon côté parle dans une déclaration magistrat ville New York là Eric Adams t'a dit que pas gain aucun monde qui blessé que yo t'ai rapporté mais il était encouragé résident ville New York yo pour yo t'ai abrité yo en bas meuble dans mitan yon porte au soir et à côté yon muraille en dans dedans car si yo t'a senti n'importe réplique qui t'avait dit secousse tremblement de terre qui t'a retourné. Président Joe Biden lui-même tout est parlé avec gouverneur état New Jersey Phil Murphy sous tremblement de terre et puis administration pour aller bailler assistance si ça nécessaire selon ça Maison Blanche t'a fait qu'on est dans une déclaration. Concernant tremblement de terre, moi t'ai parlé à gouverneur New Jersey Phil Murphy, il pensait toute bagaille sous contrôle. Il pas trop gain qu'est sauté sous ça. Gouverneur New Jersey, qui donc toute bagaille en forme. Administration fédérale aviation FAA t'a dit que compagnie avion t'a dû espérer que vol t'a gagné retard de 30 à 45 minutes dans l'aéroport Ville New York jusqu'à midi à cause tremblement de terre ça. Gain quelques vols qui étaient en direction Ville New York qui ont été obligés de détourner, yo t'al atterri dans l'autre aéroport d'après site internet FlightAware. Et dans quartier général des Nations Unies en tournant New York, tremblement de terre a été interrompu une séance que chef exécutif organisation Save the Children, Gentil Sao Ripto, t'a dirigé en séance urgence en conseil sécurité. Sous menace grand goût dans Gaza. Et moun kap vive dans Baltimore, Philadelphia, New Jersey, Connecticut, rive dans Boston, à l'autre zone dans Nord-Est, là, t'es rapporté que yo t'es senti que t'es été grondé. Et puis t'es été tremblé tout. Y'a quelques moun qui t'es couru sauté dehors, puis yo t'es demandé ça qui passé. Eh bien, chef service, nous, Sandra Lemaire, lui-même, senti tremblement de terre, lui-même tout. Moi-même, moi, j'étais dans une banlieue Washington, dans l'État Maryland, et ça que moi-même, moi, ressenti, dans mon côté, ce coup s'en frappé nous, c'est que moi, j'étais chita, et bon table, moi, et c'est un table qui est assez lourd, et puis moi, senti que la psouke, souke, souke. Et moi-même, moi, j'ai compris que peut-être si on go vent, ou bien on va être comme ça, parce que l'erreur pour, et, on bagaille ta, déplacer table ça parce que li vraiment vraiment lourd donc l'homme gardé moi ouais que sous téléphone moi t'ai gagné un message que Fred dit que gagne un tremblement de terre qui frappé et puis après ça m'a vu ouais que Valerio tout met un message pour dire que li ressenti secousse là et dans New York Frédéric Kaimit résident dans New Jersey lui même tout est senti t'a été tremblé moi t'ai senti secousse tremblement de terre là. Et pendant que j'ai tapé le travail, puis moi avec Frem qui nous a secoué. Et puis
les nous proches de yoa nous ouais tout voisin yo campé de yo a poser question est-ce que c'est un tremblement de terre et d'après autorité locale yo et t'assemblé secousse là c'est un secousse qui passé et bon côté pas nous dans ouais sur un Jacques 4.3 magnitude qui donc jeudi vendredi 5 avril 2024 une date historique a entré dans annales l'histoire ville New York dans affaire tremblement de terre. Merci, merci Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis passe pour amener tout le monde net, même moi dans le service de la femme qui pourrait être dans une zone où il était à frapper. Eh bien, vous avez une chance, ma opinion, pour te dire que mon senti avec l'événement si là. Dans l'autre nouvelle, le président Joe Biden visite Port Baltimore. Plus passé une semaine depuis un bateau cargo qui t'a sorti dans Baltimore pour aller et dans Sri Lanka et même bateau ça a frappé un pylône qui lagué dans fleuve là un pont semblable à la mer. Président Joe Biden après à COP j'ai parlé, j'ai fort cap fait dans ville Baltimore pour retirer morceau pont Francis Scott Key qui était effondré dans fleuve là pour bateau capable passer. Gain gris bateau à Daiva cap travail pour relouvrir une principale voie maritime pays États-Unis. Président Biden a rencontré famille six moun qui t'ai pas dit la vie au le pont hein, écrasé vendredi qui s'est passé à. Quand tu respectes la vie moun, regardez. Pont a tombé. Hein? Chef pays a pral rencontrer famille moun qui t'ai victime. Il a montré que la vie moun était important. Mais non pas d'Haïti, n'est boule. Et l'oreille qui calé chef nous yo, dis-moi bien papa ici. Est-ce que c'est l'oreille qui calé yo? Bon, même l'oreille fait partie de la nature. Par contre, qui espèce qui calé Tibet ça ou mettre dans notre pays, impossible. Oh. Avec reconstruction pour moi, poté avec quelques gros conséquences économiques et politiques tout. Malgré le gouvernement fédéral là, passer à l'action sans perdre de temps pour débloquer fonds pour tamer reconstruction, Maison Blanche là mandé Congrès à pour approuver un seul coup tout l'argent y a besoin, sans n'est pas obligé demander l'argent d'urgence séparément. Mais Caucus Liberté Chambre députée à Freedom Caucus répond pour dire financement comme ça pour venir avec conditions. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous pour aller dans Marie-Noyen côté premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu révoqué deux membres de l'armée PIA. Pour qui ça? Dans ce qui semblait responsabilité, il y a eu une attaque qui fait sur un convoi, une agence humanitaire qui est basée ici, dans Washington. Alors, décision, ça apprend tout. Après, le premier ministre Benjamin Netanyahu a eu une conversation avec le président Joe Biden qui a fait connaître la nécessité pour qu'il protège le travail humanitaire qui travaille dans le territoire Gaza. Et c'est une rencontre que l'observateur fait connaître que le président Biden était clair dans la décision-là et il était même dit exactement ça qu'il pensait et qui, j'ai l'administration, ouais, ça qui passait exactement. Il a même demandé pour une enquête et pour enquête à lui vraiment clair et pour le dire sans passe pour qui, pour dire exactement ça qui t'est passé, et c'est même pas ça tout que le secrétaire d'État américain et Anthony Blinken qui a participé dans un rencontre dans la ville de Paris, dans le sommet même en Belgique, que nous l'autant à faire, et bien il était demandé pour nécessité pour une enquête sur la question si là. Nous parlons dans l'autre point qui a dominé l'actualité, nous avons ici aux États-Unis, côté président Joe Biden et Donald Trump, ils ont remporté l'élection primaire qui se déroule dans l'État Wisconsin, l'État qui est capable de faire une grande différence dans l'élection qui vient pour dérouler. Dans novembre 2024, et n'a dit que deux candidats et tout entre temps. D'après ça, Jacques Mbélizé dit nous. Eh bien, deux candidats, ça, y a cherché courtiser, mais y a cherché vote noir américain, yo, Jacques Mbélizé. OK, intéressant. Électeur dans Wisconsin, t'es voté en faveur Donald Trump en 2016, mais quatre ans après, y t'es voté Joe Biden. Dans deux cas, yo, course là, t'es très serré. Qui donc, Wisconsin qui a voté dans yon sens ou bien dans yon l'autre dans l'élection ça, avec yon électorat, qui pat pour pat divisé d'après pifo sondage. Okay. Orlando Owens, c'est premier président noir parti républicain dans zone Milwaukee, lui posé en pile question. Kounye la qui est capable assurer l'idée pour éducation timoun yo? Kounye la qui est capable soutenir entreprise noire yo? Kounye la qui est capable soutenir l'idée pour gagner yon frontière qui gagne sécurité? Qui est capable soutenir droit pour un citoyen posséder zam à feu pour défendre tête li? Donc tous les deux partis ont cherché à râler de rassouillot dans l'élection ça.
Ça gagne 4 ans, Biden t'a remporté Wisconsin avec moins passé 21 000 voix. Mm-hmm. Il t'a remporté Milwaukee avec plus passé 141 000 voix. Yon analyse dans l'Université Marquette indique 53% bulletin vote Biden yo te sorti dans quartier côté gain plus moun noir. Donald Trump dit partisan lio pa ket procès pour crime contre lio aidel en pile dans mitan électeur noir yo. And a lot of people said that that's why the black. En pile moun dit c'est peut-être ça noir yo remel comme ça parce que yo même tout yo te blessé et victime discrimination. Yon bagay extraordinaire. Joe Biden pa ka ose perdu vote noyau dans Wisconsin et campagne comme ça d'après sa professeur sciences politiques politologue Cathy Owendy. Most individuals who follow the elections would say that without la plupart moun kap suiv élection sa yo ka di sans Milwaukee Biden a perdu sans problème Wisconsin. Moi pense campagne Biden dans comme ça. C'est peut-être ça ou pral wè en pire investissement dans publicité, dans message, dans paquet de visite. Joe Biden était dans Wisconsin mois qui s'est passé là pour te annoncer un nouveau financement pour aider réparer ça le relé quelques historique. Pendant plusieurs générations, communauté noire, brune et amérindien, américain d'origine asiatique et hawaïenne, pas vraiment en dans démocratie ni en dans économie. Pour Milwaukee, ça veut dire Biden a pensé à nouveau trottoir pour bicyclette, nouveau route pour bus et infrastructure moderne. Et président démocrate l'a dit, ça pral changer la vie. Quoi faire Wisconsin ça pour qu'on connaît pour qui est-ce libre de voter? I am undecided. Moi jusqu'à présent indécis. Lidwall, moi t'ai voté pour Biden contre Trump dans dernière élection yo. Mais qu'on y a moins plus penché en faveur Trump parce que ça me t'ai quoi qui t'a pral mieux yo vinn pi mal. Donc comment on connaît dans quelle direction m'a voyé tête. Incertitude ça dans mitan électeurs qui traditionnellement démocrates rend course la très serrée dans Wisconsin. Rendez-vous c'est pour 7 novembre 2024 pour élection présidentielle ça yo. Jacques Belizère, VOA Creole. Merci Jacques. Merci Jacques Belizère et n'a profité annonce samedi 6 avril là donc demain la Voix de l'Amérique à présent dans la nuit des jeunes dans New York. VOA Creole, une autre fois encore, Anessa a répondu présent dans un gros événement culturel, musical ça, qui fête chaque année dans New York. La nuit des jeunes. Samedi 6 avril, équipe VOA Creole là, a sous place dans Amazura, dans New York. Live, en direct. N'a parlé avec public, là, fanatique, monde qui vient amuser. N'a backstage, à Katisio. Nous pote baou, reportage, à image, événement ça, dans New York. Samedi 6 avril, à partir de 9h30 du soir, la nuit des jeunes. Branché VOA Creole. Yon rappel, pas rater rendez-vous demain soir, n'a pas direct. Donc, prochez sur toute la famille, particulièrement sur Facebook, pour nous connaître exactement qui j'en bas la passe. Nous pas une nouvelle, nous pas dans le pays d'Haïti. Mais, conseil présidentiel, là, marqué pas sous place. Dans un moment, décret pour nommer même institution ça, ou bien même et conseil là, pour qu'on publie dans le journal officiel Le Moniteur, Emmanuel. Conseil ministériel adopté dans mi-temps semaine un projet décret qui gagne pour avec fonctionnement conseil présidentiel là. Cependant, non personnalité qui fait partie de institution ça pour publier dans journal officiel Le Moniteur. Pendant ça, parti qui engagé dans négociation qui visait mise en place conseil présidentiel là a travaillé pour harmoniser projet décret avec accord politique là. Décret qui gagne pour avec création conseil présidentiel avec accord politique là. A fait objet de yon sel décret pour publier dans Moniteur selon yon membre conseil présidentiel là qui t'est parlé à VOA Creole. Conseiller qui pat vle nol cité souligné hier jeudi an te gagné yon rencontre entre conseiller présidentiel yo ak acteur politique yo sur question. Si tout bagay allait bien, deux documents sa yo t'a dû finaliser jeudi vendredi an et puis retourner à joindre CARICOM pour suite nécessaire. C'est ça Soslan a jeté pour le dire. Mon pote qui dans collectif 30 janvier qui désignait Edgar Leblanc fils dans conseil présidentiel là dénoncé dilatoire bon côté conseil ministériel cap utiliser tout artifice pour faire temps passer et lancer en même temps un pinga by conseiller présidentiel yo qui selon patient doit aller vite et bien. Selon même conseil présidentiel yo décret sous création conseil là sans compter accord politique là doit publier dans journal officiel Le Moniteur pendant week-end ça pour conseiller présidentiel yo capable installer dans palais national avant longtemps. N'a souligné gang armé yo fait plusieurs tentatives pour prendre assaut palais national
pendant toute semaine là. Est-ce qu'il y a une disposition qui va le prendre pour recevoir? Dégagez nous gourmet, nous prendre même côté, c'est le gars où nous y est. Nous voler même des bouillons, même conseil présidentiel yo. De toute façon costume moi est bien. Repasser là. Installation m'attend pour me descendre moi pour mal dans installation président yo. Nan pi gros symbole politique paysan, yon dossier n'ap suiv. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Toujours sous même nouvelle ça, ancien premier ministre haïtien Evans Paul plaide en faveur yon rencontre et haut niveau avec pouvoir judiciaire avec membre conseil désigné avec l'autre acteur important du gouvernement de monsieur. Ouais, si vous avez rejoint une solution dans la crise politique là. Ancien premier ministre Evans Paul te prend une question correspondant nous ou dans tout ça. Question qui gagne rapport avec démarche mise en place yon conseil présidentiel dans tête pays d'Haïti ou bien fait choix yon juge au niveau Cour cassation pour assurer résidence provisoire paysan continuer susciter débat bon côté certains leaders politiques haïtiens parmi eux ancien premier ministre Evans Paul qui dit qu'il a préféré Cour cassation. Ma préoccupation maintenant c'est prendre route qui paraît plus courte. Ah bon. Il paraît plus facile là. Chemin Cour de cassation, il y a deux avantages. Premièrement, nous expérimentons déjà. Deuxièmement, il y a une possibilité pour choisir un monde. Troisièmement, une question fondamentale. Monde qui a sauté là-dedans, pas juge et parti. Parce que dans le conseil présidentiel, il y a des hommes politiques. Des hommes politiques qui ont parti. Il dit, il y a une présidence là, pas grand-chose qui dit, il va pas le privilégier parti. Parti, il va le faire ça. C'est pas une accusation. Mais il y a une suspicion légitime. Or, on connaît que juge Cour de cassation les réputés non partisans. Ancien premier ministre Evans Paul estimait conseil présidentiel transition, sans pas de problème, à aucun membre là-dedans, capable de provoquer quelques problèmes. Lors d'une situation où il y a 7 membres qui vont décider, 7 à 9 membres qui vont décider, eh bien, elle a excessivement lourd. Et si on apprend sur le plan très symbolique, dans le palais national, qu'on fout. Aïe! Avec ni canapé, ni bon. Aïe! Pas non lisse, nous bralé, nous prenons le soudo, nous prenons notre soudo l'autre. Nous marchons à roche, nous marchons à chaise. Et alors, nous goumons, ça cache ta yop chita, nous chita yon sous l'autre. Nous connectons. Ah! Nous commençons à tomber dans mon conseil là. Moi, mes conseils là, papa, ici. Gen base nan palais. Imagine non monsieur ça ou commencé parler ou faire politique journée a passé ou pas régler rien pour le petit peuple. Ah, son seule chaise, pas gen canapé. Y'a vin à chaise yo Evans. Pas décourager mon yo. Y'a vin à chaise, y'a vin à bloc, y'a chita sous bloc et dans lycée, comme ça ba la fonctionner. Y'a gen chaise là kayo. Macha ou chaise non machine yo. Bon, son petit bus n'a pas checké. On avance. Alors, même sur le plan logistique, il y a un gros problème pour accommoder 7 à 9 personnes et pour faire cortège. Parce que si c'est président, il faut traiter en tant que tel. Exactement. Alors, moi-même, je vais garder l'aspect efficacité. Mon deuxième problème, c'est le problème mécanisme, mon vision pour faire. Qui peut nommer ce conseil présidentiel? On ne peut pas commander. Petite pour le faire papa. Bon, bah, il y a une hiérarchie des normes dans l'État. Ou pas capable. De qui nomme, de qui hiérarchie? Rentrez dans le palais, nous. Et pour savant, rentrez dans le palais, nous fini. Pour son savant, n'a pas forcé dit moun, ceci, et pour ti savant. Moun y a parlé, c'est comme si y'a gen l'ordre dans la vie. Bon, nous sans l'ordre. C'est même chose, si moun, qu'elle fait des autres, qu'elle voisine, mais chaque jour, elle fait des autres, là, qu'elle dit, les parents, là, elle prend. Mais quand elle prend des fausses, où sont savants? S'il pas de savants, comment t'es qu'à comprendre? Pour hélicoptère voler presque frapper moun dans la coupe Port-au-Prince, oui, pays gen problème. Savina hélicoptère parle. Pays a son savant, mais quand y a la vin parle de constitution. Son savant, moun qui vle prendre parler le caprel. Demain matin, décide prendre parler. Ou gen zam nan mou, ou coup de balle dans sac nan parler, et puis ou pas soprenne, ou chita nan chèze da. Président de la République, point boule. Non, bah, y kuna histoire. Qui est-ce qui a empêché non entrer dans l'histoire pays d'Haïti comme président? Faut pas ici, Evans. On est ministre pour nommer président. C'est le monde à l'envers. C'est ça que fait depuis l'autre jour, on bataille qu'on fait
arrêté à pas qu'à publier parce que la anormal, bon, moi, même dit illégal, illogique. Oui, et nous sommes l'État, même si nous faible, même si nous avons un problème, okay. Nous avons une procédure, nous obligés de respecter. Mais au-delà des procédures, moi-même, ça plus préoccupé maintenant, c'est efficacité. Ancien Premier ministre Evans Paul partageait l'idée tout pour que le pouvoir judiciaire tâchait à parler avec l'autre acteur sociopolitique haïtien sous base d'une entente plus inclusive pour capable résoudre crise politique haïtienne. OK. Oui, non tout ça. Pouvez ou à créole. Pas de plus. Correspondant nous, Mazalou, vous mettez pour mener micro dans la capitale là, côté de rencontre avec citoyens, qui ont même tes bas opinions sur ça, vous pensez de conseil présidentiel, ça, qui est-ce mon yo quoi qui t'a doué diriger? Quelques militants politiques qui étaient d'accord parler dans le micro à devant caméra nous, gain choix différent sous monde yo tablé vinn président conseil transition. Militants et l'avalation militants de Bazio, organisation de Bazio a demandé et ne s'il voter alias chinois, on nous besoin qui pour diriger. Et oui vrai, mais sont petit chinois. Pourquoi nous mal fait qu'on dans film chinois. On petit grand monde qui toujours gon reste de la boue. Hein? On ti gamon ki toujou gon ti jakout malfekte ak avec on pip nan film chinois moi son mon ti malfekte nan hey! Peut-être conseil présidentiel là qui pour entrer dans palais national et c'est moun sa o depuis sou parlo son ti la valan son avance qui parle retirer et gros am sa o nan quartier populaire c'est même mon croire avec gardi le blanc rive le tête comme ça en dabay national même clair je dis ah mais c'est mon gardi le blanc on avance et gardi a fait où est-ce qu'on paye chaque monde qui président pas on merde pays ça le faire parce que c'est une bonne équipe et il va travailler et gardi pas monde qui va aller des ministres des ministres non mais même clair et mon du clair what miss cap casse pays yo que Dieu m'entend et gardi président connait là on veut tout le président matière tout non clair Gardi le blanc. Avec dit à terre de Bosil. Qui est Gardi le blanc? Ok. Aïe mon Ariel. D'après moi, qui est le président conseil là? Mais si vous avez un peu de travail, nous faisons. Pas de problème. Parce que nous-mêmes, depuis. Madou, ça y est mon Ariel. Ça y est mon Ariel. Depuis que l'intérêt de la d'abord, nous-mêmes, nous d'accord. Nous faisons choix. Choix nous faisons, c'est un ancien sénateur qui est docteur Ligier Agile. Raison. Parce qu'il était toujours campé beaucoup de peuple dans le moment peuple là, dans le moment. Qui gère Agile? Quand tu Agile de. Comment tu donnes plusieurs peuples? Il y a Haïti, pas de différents. En Haïti, il y a 10 Haïti. Il y a Haïti, artiste là. Il y a Haïti, gère Agile là. Il y a Haïti. Ariel là, Haïti Lavalas là, Haïti bourgeois, Haïti communauté internationale là, Haïti paysan, Haïti diaspora, il y a plusieurs Haïti, OK. On avance. Difficile ça peuple là, ya. Nous choisir un monde qui l'en kan nous. Ça n'y pas fait aucune personnalité, yon dirigeant organisation sous bois pas quoi. Faut monde qui a prendre pays a di capacité pour affronter groupe civil armé. Très bien. Si tu as un responsable qui t'a pour en charger pays là, alors m'pa connais moi c'est ça que ça nan désime nan faut me dire. Faut que l'état en criminel notoire qui a décidé pour peuple haïtien. Et qui a répondu avec Lucifer ça qui a terrorisé la population. Parce que souffrance pour l'empile. Face à la crise multidimensionnelle pays a connu là, citoyens ça a plaidé en faveur poursuite mise en place conseil présidentiel transition. Même en tant que militant qui a bataille au niveau de tout pays, nous demandons pressé, faut que nous fassions installation et pour nous sortir avec un bon gouvernement pour sorti pays à la crise qu'elle est là et pressé c'est les captain Nabzi. Si messieurs dames ministres vous voulez faire procès des ministres pour arrêter sorti pour José Pierre Louis signer pour la guerre dans le militaire pour dire mais qui est ce qu'a vu le président conseil là m'a dit vous faites ça pressé parce que ça qu'a fait là pas d'aucun monde dans pays là qui à l'aise parce que faut que nous venons avec une solution parce que ça sera son piste qui n'a pas ça. Et si ça a rien dans l'arrivée là, faut qu'il y accouche. Et il a demandé la police à prendre toutes dispositions pour régler et périmètre de chaîne massa pour sept membres ça, président celle-là, qui a installé dans le palais national. C'est bien. Moi, je vais mettre un update. Moi, je vais serrer une déclaration. Ça va être ça. Oui, pas bon, vous.
Qui belle là, moi m'attend installation tout même j'ai avec nous. Toute journée jeudi 4 avril là, football pas suspend chanter dans périmètre palais national ak zone qui a avoisiné Lyo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia de Vulmé pour Viroi Créole. Merci Marcia. N'a pas quitté Port-au-Prince, nous parler dans ville cap haïtien côté la police dans ville là, ben arrêté un passager que accusé comme un gang dans moment il t'a parlé dans Miami, Jean Maxino. Sénat aéroport international au Caplan que la police arrêté jeudi 4 avril 2024 là Vladimir Joseph qui selon institution policière tava yon présumé criminel qui t'a fait partie des bases avien. Inspecteur divisionnaire Aol Jean qui c'est porte-parole la police dans nos pays fait connait Vladimir Joseph t'a essayé quitter pays dans cadre programme Biden. La police a arrêté dans l'aéroport international Cap-Haïtien un individu qui relé Joseph Vladimir, qui a 38 ans. Donc, selon l'information que nous gagnons, monsieur, c'est un chef de gang qui a fonctionné dans la zone Sahavien. Donc, la police dans la ville Cap-Haïtien est en contact avec DCPJ sur le dossier monsieur A et tout comme nous en contact avec. DCPJ pour plusieurs autres cas de criminels qui ont intention de passer dans l'aéroport Cap-Haïtien pour aller dans leur pays. Pas jour, monsieur. Cependant, Vladimir Joseph déclaré la police fait erreur, il n'y a pas un gang. Il y a des méfiants dans le gang là, si vous mettez des alias. Quelle est la relation avec les gens qui ont fait ça? Je ne sais pas si vous avez une relation avec les gens qui ont fait ça. Je ne sais pas si vous avez une relation avec les gens qui ont fait ça. Malgunaï, c'est pendant des carnaval et matin de Malgunaï. Malgunaï, on fait une zone ça. Malgunaï, on fait une commissaire gouvernement au Caplan, Charles-Édouard Durand, terrain ni par la suite, dans le commissariat police Cap-Haïtien, côté l'été visité prévenir. Commissaire a fait qu'on est, il a mené bonne enquête. Sous dossier ça. Donc, le ministère va continuer à découvrir si ça va être sur la sécurité. Si c'est vrai, c'est tout là. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer avec la sécurité dans la juridiction. Donc, quoi qu'il en soit, la justice va être avalée normalement. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Fête d'Amérique. Merci, garçon. Nous recevons des tours avec Sergio Rodriguez et Jude de Ronce. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sous VOA Créole. Nous allons parler de Alain Delon, le monstre sacré du cinéma français, qui malade journée aujourd'hui, malgré le coco mourir, il y a un chien qui éclaté en trois petites lions. Et puis après ça, nous allons parler de Etienne Maïla avec Jude Ronsry. Le français Alain Delon, que le public haïtien connaît bien, et spécialement la génération qui a grandi dans l'époque années 60 à années 70, et bien, il est malade grave. Mais il y a des gens qui pensaient que le monstre sacré industrie cinéma de la France, là, qui a l'âge 88 ans journée aujourd'hui, a subi une humiliation de ce qu'il a placé sous surveillance renforcée. Alain Delon a fait un accident vasculaire cérébral que nous avons les stroke en anglais en 2019. Il a souffert qu'on a un cancer lymphatique et bien placé sous un régime sauvegarde judiciaire depuis mois janvier passé. Qui donc mesure surveillance renforcée, c'est un démarche qui est trop lourd. Ça m'a l'air de la besoin vraiment vrai, c'est bon genre encadrement dans la vie tous les jours. Et puis pour le capable de dépenser l'argent de posséder, Jean-Louis Pipito, d'après sa avocat, Maître Berton, dit sous question. Avocat a continué pour le dire, il pensait que celui-là a dépassé les bonnes parce qu'il a humilié mon sacré cinéma français. Du fait que le poco perdit tête lui, comme Jean-Aubert Philippe t'a dit, il toujours qu'un bébé bon sens. Je veux préciser que depuis mois janvier qui s'est passé, il y a un chirépit dans le petit Lio, à savoir petit garçon Anthony, 59 ans, Alain Fabien, 29 ans, et petite fille Anouchka qui a 33 ans lui-même. N'a dit que film qui était révélé acteur par le monde entier, c'était film Plein Soleil là, qui était paraît en 1960, mais c'était avec Woko et ses frères qui était paraît en 1960 tout. Parmi le film, mon sacré cinéma français a été joué. Donc, allongé d'ouette sous le Guépard, qui pouvait emprunter réalisateur italien Luchino Visconti en 1963, avec La Piscine, qui pouvait Marc Fabrique cinéaste Jacques Deré, un film qui était sorti en 1969. Et bien, moment arrivé pour nous passer qu'on n'a pas Jude Ronsré pour nouvelle dans Etienne là, dans Miami. C'est jeudi que ça passé là, dans le cadre soirée Happy Thursday, dans Blue Martini Nightclub de Fort Lauderdale, l'État Floride, que Roberto Martino recevra un Lifetime Achievement Awards pour contribution T-Vice à l'évolution musique haïtienne. Ses compagnies de production RNA Promo qui te baillent l'honneur espère. Après tout ça, je viens de faire un business, c'est bon des fois pour qu'il y ait des gens qui reconnaissent la valeur ça nous fait. Merci un peu, ça arrive droit au cœur. Et vraiment, ça fait plaisir, ça me courage à force.
pour continuer travail, continuer faire cause. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Rara Lacaille de Miami célébré semaine passée 21 l'année existence li. Wisner Charles alias T-West qui est fondateur dirigeant Rara Lacaille a expliqué. Ça veut dire pour lui 21 l'année à Rara Lacaille. Et 21 Rara Lacaille li nous pas quelque bagarre pour moi. Raison jusqu'à maintenant nous là sous sol là toujours dans communauté haïtienne nous toujours à travailler. Malgré nous pas joindre support communauté, la plupart de la communauté haïtienne qui pour aider nous travail 21 ans. Mais ça pas fait nous décourager, nous toujours à Québec. Pour nous est-ce nous fait plus temps toujours dans la communauté. C'est qui lui? Merci infiniment, Jude de Ronceret, pour toute bonne information sérieuse pour Nouvelle Souveraineté. Moi, c'est Sergio Rodriguez. Groupe Croissance a marqué 30e anniversaire dans Miami avec un sommet économique ou un sommet des finances internationales. Eh bien, collaborateur Jacques Bizet a parlé avec ingénieur Jean-Marie Altema, qui est directeur exécutif groupe financier Profit. Comment en fait l'enquête 30e anniversaire groupe Croissance, qui c'est une organisation qui travaille en Haïti, surtout dans le domaine finance avec économie. Nous connaissons Christian Farel qui a dirigé groupe Croissance et qui a des émissions dans des radios et qui fait un pile d'intervention tout sous question budget en Haïti. Donc, son sommet qui est toujours fait en Haïti, mais pour 30 ans, groupe Croissance et ensemble avec Profit Development Consulting, nous avons décidé d'accompagner, souffler groupe Croissance pour que nous gagnions un sommet à Miami. 6 et 7 avril qui a venu là. Donc, nous associons tout avec de l'Office Offices of Fund de Julien, qui sont avocats qui sont dans la communauté haïtienne qui est basée à Miami, pour que nous discutions autour du financement de l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet a venu dans un contexte très particulier parce que nous connaissons une situation de crise que Haïti a traversée, crise politique, crise économique, etc. Mais il faut aussi penser l'après-crise. Donc, c'est l'objectif, ça, que nous réunissons des acteurs d'Haïti et de la diaspora pour venir discuter autour de stratégies qui permettent que nous mieux préparer et développer un agenda pour financement économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Okay. Donc, sommet ça, il réunit, j'en dis, des acteurs d'Haïti, donc, et de monde qui travaille dans des projets en Haïti. Ça veut dire, c'est pas un sommet côté que nous allons parler de finances, nous allons parler de seulement qui gens Haïti capable de relever, s'ouvrir de prison, mais nous avons présenté, nous avons venu, il y a un pile intervenant qui a sorti Haïti, malgré la situation, et nous avons remercié pour l'effort que vous faites. Nous avons venu, c'est des monde qui ont des projets qui ont exécuté en Haïti. C'est bien. Et rendez-vous, nous pas oublier, non? C'est samedi, dans New York, équipe Creole Lab sous place pour nous porter pour encore la nuit des jeunes. Et puis tout, je dis à ce vendredi, soit conduit pas consommer alcool, et si consommer alcool, pas conduit. Bon, merci gentil, Augustin, avec tout notre collègue, moi. Nous disons merci parce que t'as suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience sur moi. Prenez ma quitte ou n'a pas papa, bon Dieu. Parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou bon la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir. Non pas, monsieur Foucault. Rendez-vous cassé demain si Dieu veut. Mouah! Bisous, bisous, one love.